Salut les amis. Bon, je tenais à remercier tous les commentaires là, que j'ai eu sur la vidéo précédente là, quand je me suis fait virer du champ par le propriétaire du champ. Donc j'ai réussi à voir la fédération. Ils n'ont pas compris non plus. Hein. Ils savent pas pourquoi, comment ça se fait que le paysan, cette personne-là, a eu ce comportement-là. Surtout que c'est un champ où je pêche depuis 40 ans, j'ai jamais eu de problème avec l'agriculteur. Là, il est venu, il m'a carrément éjecté. Donc, bon, la raison, c'était pas le parapluie, parce que j'ai toujours pêché là-bas avec le parapluie pour m'abriter du soleil ou du vent, et on m'a jamais rien dit. Moi je pense plutôt comme la fédération, hein. C'est soit quelqu'un a laissé des ordures sur place et c'est moi qui ai pris pour les autres, donc voilà, c'est super sympa de laisser les postes sales et de pas nettoyer ses affaires avant de partir, parce qu'il a vaguement parlé de canettes de bière, de poubelles et tout. J'ai pas compris parce que je laisse jamais rien sur les postes. Ou soit c'est comme la fédération, soit c'est des petits jaloux qui me voient prendre du poisson. De toute façon, on le sait, hein, je suis surveillé quand je pêche. Parce que on voit plusieurs fois là, des voitures ralentir et des mecs qui surveillent. C'est toujours les mêmes. Hein, et qui viennent pêcher sur les postes après. Donc c'est peut-être cette personne-là qui a été voir le propriétaire et qui a dit que j'ai laissé de la merde sur les postes et puis qui ramassait à ma place. Hein. Donc c'est pas très intelligent. Surtout que c'est un poste que je tiens à cœur, surtout cet endroit-là, parce que c'est là-bas que j'ai appris à pêcher la carpe et, avec mes parents. Donc ça fait quand même 40 ans que je tends mes cannes là-bas. Mais c'est pas grave. La rivière fait je ne sais combien de kilomètres, surtout que maintenant on a une dérogation de 30 km aux alentours de chez nous. Donc je connais d'autres postes, hein, je connais toute la Sèvre, du moins partout dans mon secteur. Là. Donc des postes à carpe, j'en connais plein d'autres. D'ailleurs toute la Sèvre est bonne pour la carpe, hein. Ça sert à rien de grignoter les endroits amorcés par les autres. Pour moi c'est pas des pêcheurs. Moi je pêche la carpe, j'emmerde personne quoi. Donc pour moi c'est pas des pêcheurs, c'est... Je veux pas être vulgaire, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà. On n'est pas là pour débattre de ça. Là comme vous voyez, on est dans mon atelier bouillette. Comme vous avez promis, on va faire une petite recette de bouillette. Et cette fois-ci c'est une recette carnée. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des recettes un peu plus complexes. Bon, certes, j'en ai, hein, j'en ai plein. Donc là, je vais vous donner une de mes recettes carnées que j'utilise régulièrement. Donc c'est parti. Alors j'avais aussi dit que j'avais changé de mix de base. Alors sur mon mix de base, je mettais 4 parts soja gras. 3 parts de maïs, farine de maïs, une part de semoule de maïs, et je mettais 4 parts de semoule de blé, et je rajoutais une part de farine de blé. Alors ce qui a changé dans tout ça, c'est juste la part de farine de blé, je l'ai remplacée par une part de farine de lupin. Voilà, parce que la farine de blé c'est un super collant, mais le problème c'est que ça imperméabilise la bouillette. Donc j'ai changé et j'ai mis j'ai changé cette farine de blé contre de la farine de soja, de lupin, excusez-moi. Donc voilà, le lupin c'est aussi un collant, un petit collant.
c'est pas mal aussi pour rouler. Et en plus de ça, ça apporte beaucoup plus de glucides. Et puis, donc voilà, j'ai remplacé juste cette farine de blé par de la farine de lupin. Donc voici la recette ma recette du mix de base. Voilà. Donc c'est parti. On va faire une petite bouillette carnée à base de calamar, krill et poisson. Et après, un parfum au choix, ce que vous voulez. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps. C'est parti pour la recette. Alors pour commencer, il vous faut 740 g de mix de base. 70 g de beer food insectes avec des petits insectes dedans. Alors ça c'est pareil, il y a du 100% insectes, je crois que celui-là est mélangé avec un peu de miel. Donc voilà, 70 g de beer food insectes, 40 g de poudre de foie. . 50 g farine de calamar. Alors ça c'est pareil, la farine de calamar c'est pas trop digeste. Donc faut éviter d'en mettre de trop. Vu que la carpe aime bien les trucs faciles à digérer, faut éviter d'en mettre de trop, ça sent fort en plus. Donc si vous voulez attirer le poisson et puis que vous voulez que la bouillette soit bien digeste pour elle, faut éviter d'en mettre de trop. Voilà, donc 50 g de farine de calamar, 50 g d'hydrolysate de krill. Alors pourquoi pas de la farine de krill, parce que l'hydrolysate est beaucoup plus digeste que la farine de krill, donc ça équivaut à de la farine prédigérée. Donc ça c'est très 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 bon. La carpe, c'est vraiment la carpe ça. Donc voilà, 50 petits grammes d'hydrolysate de krill, 50 grammes d'hydrolysate de poisson blanc. Alors je rappelle, je prends tout chez Amorce Brandt, hein. C'est que des produits que je trouve là-bas, et puis je trouve que ça marche très bien, donc je continue comme ça. Ça fait pas très longtemps que je commande chez eux, mais bon, je trouve qu'ils ont des bons produits. Donc voilà, 50 g d'hydrolysate de poisson blanc. Pareil, ça équivaut à de la farine de poisson, beaucoup plus digeste. Vu que ça équivaut à de la farine prédigérée. Voilà. Il y a un petit peu d'explication sur les farines. Donc hydrolysate de poisson blanc, 50 g. Et pour finir, le mix, 110 g de poudre d'œuf, de l'œuf en poudre. Alors je leur explique, hein, l'œuf en poudre, c'est de l'œuf déshydraté et il n'y a plus une seule bactérie dedans, donc ça évite les bouillettes de moisir trop vite. Donc en plus ça évite le conservateur, de mettre trop de conservateur aussi. Donc voilà, moi j'utilise ça maintenant, hein, vous pouvez utiliser des œufs normaux. Mais moi depuis que j'ai commencé à rouler avec de la poudre d'œuf, je reste là-dessus parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher. C'est moins chiant à stocker et puis on se salit un peu moins les mains. Voilà. Donc là, je vais aller tamiser ça parce que ça fait toujours des petits grumeaux. Donc voilà pour le mix. Après, on va passer au liquide. C'est parti. Bon, avant les liquides, il faut bien mélanger votre mix, hein, comme d'habitude. Casser les grumeaux s'il y en a. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au liquide. Alors, pour les liquides, ne pas oublier de mettre la balance en millilitres. Moi, j'utilise 300 millilitres d'eau. Voilà. Pour ceux qui aiment bien le lait en poudre ou qui veulent faire un
une bouillette légèrement crémeuse. Vous pouvez rajouter entre 50 et 100 g de lait en poudre dans votre eau. Après, pour le conservateur, alors on utilise le sorbate de potassium ou une cuillère à soupe de sel. Bon, moi je vais utiliser le sorbate de potassium là. On peut mettre 15 à 30 g de sorbate de potassium. Là, je vais en mettre 15 g. Ensuite, comme vous savez, j'aime bien mettre de la bétaïne dedans. La bétaïne, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans la betterave. Donc, 10 g de bétaïne. Ensuite, bon, pour les bouillettes carnées, moi je mets de l'huile de saumon. Donc là, on repasse en millilitres. Je vais mettre 15 ml d'huile de saumon. Alors pourquoi l'huile de saumon? Il y a plusieurs huiles hein, pour les carnets. Mais moi j'aime bien l'huile de saumon parce que je trouve qu'elle est vachement. Je trouve que la carpe répond très bien à cette huile. Donc je me fais pas chier à en mettre d'autres. Après c'est chacun son choix. Hein. Vous pouvez mettre une autre sorte d'huile. Il y a l'huile de sardine, on peut mettre l'huile de hareng. Je ne sais pas combien d'huile il peut exister là-dessus. Donc voilà. Après l'huile de saumon, moi j'utilise la mélasse de betterave. En sucrant, mais puis pour ces acides aminés, hein, évidemment. Donc, en sucrant, vous mettez 11 ml de mélasse de betterave. Et moi, pour ajouter du sucrant, je fonctionne toujours avec le glucose pour ces 4 sucres intéressants pour la carpe, enfin pour le poisson blanc aussi. Donc 11 ml de glucose. Ça pareil, hein, ça dépend comment vous voulez sucrer la bouillette. Vous pouvez en mettre jusqu'à 20 ml. Hein. Il n'y a rien de dangereux avec ça. On peut très bien mettre du canadou, hein, c'est pareil. Voilà, et après, pour éclater les molécules, un petit peu d'alcool, le rhum negrita. Pareil, 11 ml. Ensuite, l'acide N-butyrique. Alors moi, j'en mets toujours dans mes bouillettes. Ça permet d'avoir une bouillette qui fonctionne même s'il y a de la vase ou si c'est caché par les feuilles ou ça dépend des fonds. Donc vu qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se trouver exactement là où on va pêcher, moi j'en mets 15 gouttes. Donc là j'ai doublé toutes les doses, hein, je vais en mettre 30. Alors voilà, donc après, pour ceux qui veulent, mais c'est pas obligé parce que là ça va être une bouillette déjà qui va sentir très bon, vous pouvez mettre un parfum au choix carné. Donc moi j'ai décidé de tester les parfums que Michael m'a filé lors de la rencontre là, Vendée Esturgeon. Il m'avait ramené des parfums pour que je sente et que je le teste. Donc là j'ai un petit parfum crabe là, qui ira bien avec. Donc merci Michael. C'est le monsieur qui fabrique les cannes là, sur mesure et tout. Donc voilà, il m'avait donné ça. J'avais donné 2 ou 3 petits trucs à moi. Donc 6 ml de parfum au choix. Donc là je double la dose mais je vais en mettre que 5 ml. Donc je vais en mettre 10 ml. Pas plus.
Ça sent super bon. Voilà, 10 ml. À quelque chose près. Hein. Voilà, et après, on passe le mixeur dans tout ça. Alors, j'ai oublié de dire, si vous voulez que votre bouillette soit un peu plus digeste, pour le poisson aussi, vu que là j'ai de la farine de calamar qui n'est pas très très digeste, donc vous pouvez rajouter un peu de levure de bière dans votre mix, à peu près ouais, une cuillère à café, hein. Une cuillère à café de levure de bière. Faut pas en mettre de trop parce que ça allège les bouillettes et ça peut vous les rendre flottantes. Si vous en mettez de trop. Donc, ouais, une cuillère à café de levure de bière pour aider la digestion du poisson. Donc voilà, je vais en rajouter un petit peu là dans mon mix. J'ai complètement oublié tout à l'heure. Alors voilà, j'ai rajouté une petite cuillère à café de levure de bière en plus. Que je vais vous faire voir. Vous voyez, chez Amorsbrandt, levure de bière toute simple. Hein. Voilà, alors moi ce que je fais comme d'habitude, je balance mon liquide là-dedans. Faut pas oublier d'en récupérer un petit peu pour la fin. Pour décoller ce que vous avez dans les mains et tout. Et vous balancez ça là-dedans. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Là. Et j'imprègne toute la... maximum. Voilà. Et on y ajoute de l'eau. Pour ramollir la pâte si elle est trop dure. Alors vaut mieux faire comme ça que d'avoir trop d'eau et avoir une pâte trop molle dès le départ. Bon voilà, une fois que vous avez obtenu une pâte, et forcément vous aurez les mains un peu collantes, j'ai oublié de rincer ça, c'est pas grave. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne fait pas d'erreur. Voilà, quand vous avez une pâte qui n'est pas trop mal, vous prenez votre petite farine que vous avez mis de côté. Et vous finissez de pétrir. Ça décolle le reste.
avez une pâte qui colle beaucoup moins à la main. Ça colle presque plus. Parfait. Voilà les amis. Pâte ni trop dure, ni trop molle. Voilà, voilà. Donc je vais mettre ça dans le pistolet. Et je vous reprends pour le premier roulage. Voilà les amis, petite bouillette bien ronde, super simple à rouler. Voilà, voilà, bon, la recette, la voilà. Donc je vais finir de rouler tout ça et je vous mets des petites images à la fin. Voilà les amis, la petite vidéo va se terminer. Donc, à tester, à m'envoyer des retours si vous voulez. Laissez des commentaires. Bon, je vais finir par pas répondre à tout le monde. Parce que j'ai de plus en plus d'abonnés et ça devient un peu compliqué. Donc, si je réponds pas à certains commentaires, c'est que je vois pas l'intérêt de répondre. Mais je remercie quand même pour tous ceux qui laissent des commentaires. C'est super sympa. Donc, on va aller faire une pêche avec Jérémy. Là, je vais faire un ALT en petite rivière avec. Donc, j'aime pas trop pêcher avec de la carnée en rivière. C'est plus des bouillettes pour pêcher en site privé, ça. Donc, je vais quand même aller pêcher en rivière avec. Mais je sais pas. Je vous promets pas du résultat. Parce que la carpe a énormément de nourriture naturelle en rivière. Et du coup, pas évident qu'elle soit tirée par ce genre de nourriture. Mais bon, on va quand même aller faire un ALT et faire des petits après-midi sympas avec Jérémy, à côté de chez lui. Bon, voilà. Sur ce, un petit pouce bleu si la petite vidéo vous a plu. Sinon, ben, pensez à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes mes aventures au bord de l'eau et encore pas mal de recettes de bouillettes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye les amis. Tell me that you love me, even if it's fake.